Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Petite vidéo du jour, on va fabriquer un piège à frelons. Nous sommes le 25 avril, donc les rennes sortent de l'hibernation pour les frelons asiatiques. Donc c'est important de créer des pièges pour attraper les futures rennes. N'oubliez pas, il faut attraper que les frelons asiatiques, pas les européens. Frelons européens, frelons asiatiques. Alors qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer un piège? Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une bouteille coupée en deux, on enlève le bouchon et on met la bouteille à l'envers. Les frelons vont rentrer par là et vont se retrouver coincés à l'intérieur avec la petite potion magique. Alors la potion magique, on a besoin de vin blanc, de la bière et de la crème de cassis. Pas du sirop, hein. C'est pas trop bon le sirop, ça attire les mouches et tout ça, donc il vaut mieux la crème de cassis. Le vin blanc, c'est pour que les abeilles ne viennent pas dans le piège. On commence par la crème de cassis, à peu près 1 cm, le vin blanc, à peu près 10 centilitres. On finit par la bière. À peu près 20 centilitres aussi. Donc on attend que la mousse retombe. Donc il suffit de mettre ça dessus. Donc on accroche la petite cordelette pour pouvoir l'accrocher sur une branche, sur un arbre. Donc là vous avez un super piège de frelons asiatiques fait maison. À des produits naturels. Bon, chez moi, ils ont tendance à venir ici. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Voilà. Donc on va voir le résultat, mais ça marche assez bien. Donc si vous voyez que dans votre piège, il y a des frelons européens, vous savez, les frelons jaunes, comme je vous ai montré au début, eh bien, vous enlevez le piège et vous arrêtez. S'il y a trop de mouches ou d'autres insectes, vous arrêtez aussi. Et le piège, vous le gardez jusqu'à juin et après vous pouvez l'enlever parce que après vous ne pourrez plus attraper de rennes, vous allez attraper que des ouvrières et attraper les ouvrières, ça élimine pas les nids. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager pour donner l'information à tout le monde et je vous dis à très bientôt les Dédés.